va. Et je sais plus quoi faire. T'as mis du poison dans mon verre. J'ai bien du mal, ouais, à m'en faire. L'harmonie, les yeux et mène au côté en supplice. Toutefois contaminé, l'homme, car elle n'attend que ce bitel, étouffe, se tord, gigote, s'entortille, en gaspillant petits cris durs et successifs. Elle ressemble à une crise de folie et peut faire perdre toute contenance au plus pondéré. Elle vous soustrait la parole pendant un moment, ce qui est dû à la rafale de hoquet qui paralyse d'une façon éphémère, heureusement, les organes moteurs de la parole. Elle existe sous une forme atténuée, préférable peut-être. Les lèvres s'écartent, retoussées vers le haut, les dents, gigot noirâtre, croque luisant, ou que note chargée du chocolat qui provoque cet état apparaissent. C'est le rire et le sourire. Lorsque ce chef-d'œuvre d'audace et d'architecture qu'était la tour de Babel s'écroula, il provoqua autant de bruit que d'idiome. Ce fut le début de la fortune des polygones, traducteurs et interprètes. Pourtant, un seul langage est resté commun à tous les hommes, c'est le rire. Et bien sûr, son frère jumeau, le sanglot. Un cœur déchiré, sanglot et larmes. Le sourire s'est éteint, aucun son n'a été proféré. La bouche demeure crispée, mais il y a ce spasme d'une poitrine qui se soulève et s'échappe. Le dernier soupir d'une voix qui expire, retourne. Pourquoi la vendeuse de béliers pleure-t-elle? Sa marche sans vie, pourtant si esquisse, tout à l'heure, a perdu toute sa saveur. Toutes les mains se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Une larme a noyé tout l'entrain qui régnait tout à l'heure. Triste interrogation et de la compassion. Pourquoi la vendeuse de beignets pleure-t-elle? Les plus belles dents du monde sont désormais cachées derrière une tristesse. Les plus belles lèvres du monde sont désormais déformées par une crispation douloureuse. La huitième merveille du monde s'est abîmée dans un flot de larmes. Ce gifu, le sourire de la petite vendeuse de beignets. Celle-ci baisse la tête, accablée par une douleur atroce et apparemment désespérée. Machinalement, elle continue à rouler la pâte et à jeter les boulettes dans l'huile bouillante. Pourtant, tout à l'heure, ce sourire semblait plus beau qu'à l'accoutumée, chose jusqu'à là jugée impossible. Là-bas, mais personne ne l'a remarqué, un jeune homme tente d'arrêter un taxi. Pourtant, il vient en peine en descendre. Son costume, une coupe impeccable, un trois pièces d'un blanc cassé, tirant légèrement sur le jaune agrémenté de fines rayures noires et d'une cravate rouge, le distingue aisément de tout ce qui peut habituellement le carrefour. Un observateur attentif l'aurait vu descendre du taxi, s'avancer vers la vendeuse, du pas de ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes et de l'effet qu'ils produisent sur les autres. Il aurait vu s'arrêter, les sourcils écarquillés par une surprise brutale, hésiter sur le choc et battre rapidement en retrait. Apparemment déconcerté, le jeune homme aux trois pièces, alors a sauté dans un taxi qui s'est éloigné et les sanglots de la jeune vendeuse ont redoublé. C'est ça la vie.
C'est ça la vie, c'est ça la vie. Hey, hey. On brille en fleurs.